en disant que c'est pas suffisant de construire des systèmes d'économie parallèles, mais qui sont un bon point de pour avancer contre le système capitalistique. Et on a parlé des expériences des usines occupées autogérées en tant qu'exemple d'économie alternative, mais qui se battent aussi contre le système économique. Et on a conclu avec un gros débat sur le système monétaire. On a parlé des systèmes monétaires alternatifs, l'utilisation de monnaies locales alternatives à la monnaie l'euro par exemple, et leur avantages, mais aussi leurs limites par rapport en fait, au système actuel. On a conclu en réfléchissant sur le fait que le temps qu'on a passé à parler d'économie et de monnaie traduit l'exigence de se réapproprier l'économie, de débattre par en bas de l'économie et pour la refaire.